Putain, elle est où cette bagnole? Je crois que c'est celle-là en fait. Fous de ma gueule? Non. Oh putain. Bonjour Léo. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ça va. Je suis le premier? Ben oui, demande ta veste. Oh. C'est tout? Je crois qu'il y a des armes dans le coffre. Ouais, l'intérêt. Bonsoir, je m'appelle Marc. Bonsoir, bonsoir Marc. Bonsoir, si je suis ici avec vous ce soir, c'est parce que moi aussi je suis... Putain, ça va être chaud, hein. Quoi, c'est tout? Ouais, c'est tout. Comme disait Marc il y a 2 minutes... Comme disait Marc, il y a 2 minutes, au début c'était une fois, ou deux, ou le week-end, pour dire deux quoi. Oh putain, au moins il a pensé au globe. Ouais, mais de toute façon j'ai réfléchi, la maison que j'ai repérée pour notre point de chute, c'est un petit couple, ça devrait pas poser de problème, donc pour les armes, on sera large hein, de toute façon. Et à ce moment-là, bam, chut, on appelle Francky, et à nous la liberté mec. Mais moi je prétends guéri et je sais pertinemment bien au fond de moi que à la première occasion, je replongerai quoi. C'est dur. Courage, on n'est pas tout seul, on est tous avec toi, pas vrai les gars? Courage, on va aller. Merci. Ouais. Moi, je suis là ce soir avec vous, je suis venu voir à vos réunions, mais de ce que je vois, honnêtement, je sais bien que ça sert à rien pour moi, je suis pas comme vous, moi je change de casse. Mais non, mais ça sert à rien. On va tous s'en sortir. Mais si, ça va, ça va. Reviens t'asseoir. Non, ça va, je me casse. Non, hé mec, écoute ton pote et va t'asseoir. Allez. Ils ont l'air bizarres. Ouais, non. Ils sont juste un peu plus nombreux que prévu, mais ça va aller. Je suis pas sûr.